Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour et merci de nous suivre pour cette nouvelle émission de Carte sur table. Chaque jour, tous autant que nous sommes, nous subissons des agressions. Alors oui, bien sûr, il ne s'agit pas d'agressions physiques. C'est un phénomène beaucoup plus insidieux qui touche notre mémoire et celle de nos parents ou grands-parents, qui s'appelle le négationnisme. S'agissant du négationnisme du génocide des Arméniens, durant les années 60-70, le phénomène était relativement limité et grossier. Il s'agissait d'une propagande d'État venue de la Turquie et relayée par ses ambassades, qui produisait des recueils de soi-disant informations grossières pour nier la réalité du génocide et qui se contentait en gros de dire « il ne s'est rien passé ». L'événement fondateur de la nouvelle école du négationnisme du génocide arménien vient sans nul doute en 1993 de Bernard Lewis et de sa nouvelle version de son histoire du Moyen-Orient, dans lequel il développe une thèse où il s'y reconnaît des massacres, en minimise le nombre, en relativise la portée, en réfute la preuve, le tout accompagné d'un argumentaire historique venant d'un des plus importants spécialistes de l'Empire ottoman, qui apporte ainsi une crédibilité scientifique à la propagande turque. Il faudra une forte mobilisation des historiens, des militants de la cause arménienne, des victoires politiques majeures, puisque deux propositions de loi seront votées à l'Assemblée nationale et le Sénat, mais rejetées par le Conseil constitutionnel. Mais il y a eu aussi la loi du 29 janvier 2001 reconnaissant publiquement le génocide des Arméniens, plusieurs procès pour aboutir à la journée nationale de commémoration du génocide des Arméniens, mise en œuvre depuis avril 2019, pour que globalement, l'opinion publique française fasse le tri et comprenne que le négationnisme est un délit, même si juridiquement aujourd'hui, il est toujours impossible de faire condamner un négationnisme du génocide arménien, tout en pouvant dire qu'il est un négationniste. Aujourd'hui, le négationnisme est partout, et notamment sur la toile et les réseaux sociaux. Il n'est plus le fait de quelques diplomates ou de quelques mauvais historiens payés par le gouvernement turc, il est propagé par n'importe qui, pour n'importe quel motif, y compris pour certains uniquement pour faire parler d'eux, dans ce qu'ils appellent une position iconoclaste, une vérité alternative, mais qui sont avant tout des fake news, au même titre que les théories fumeuses sur le fait que la Terre serait plate, que l'homme ne serait pas allé sur la Lune ou que Elvis est toujours vivant. Depuis 10 ans, Frédéric Ancel, professeur de sciences politiques, enseignant à la Paris School of Business et à Sciences Po Paris, organise des assises de la lutte contre le négationnisme, pour générer une véritable mobilisation de tous les acteurs contre ce fléau qui est avant tout un délit. Sa 10e édition, qui portait le titre « La négation dans tous ses états », s'est déroulée hier, 10 janvier, au Sénat, avec la présence importante du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Nous allons donc revenir sur ces assises en compagnie de quelques-uns de ses intervenants, à savoir le professeur François Elbron, vice-président du Mémorial de la Shoah, Dominique Sopo, président du SOS Racisme, Mourad Papazian, co-président du CCAF, et bien entendu Frédéric Ancel, qui est avec nous sur ce plateau. Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour à vous. Alors, avant de parler de négationnisme, j'ai en face de moi un grand géopoliticien. Je voudrais quand même mettre à profit cette présence pour vous demander votre analyse un peu d'actualité sur les derniers événements survenus entre les États-Unis et l'Iran et les conséquences que cela peut avoir sur la déstabilisation de cette région qui est déjà souffre d'un climat tendu. Moi, vous puissiez dire, j'apprécie votre sens de la litote. Tout ça en moins de 3 heures. Alors, promis. Premier point, nous avons affaire à un président américain qui est non seulement inconséquent, mais imprévisible et qui ne travaille pas ses dossiers. J'ajoute qu'il n'est pas entouré ou très mal entouré. Certains présidents américains n'ont pas des férus de relations internationales, je pense notamment à Reagan, et ils sont très bien entourés de gens très intelligents. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en face, nous avons affaire à une république islamique dont un certain nombre de dignitaires sont des fanatiques religieux, mais qui ne sont pas des imbéciles. Je veux dire par là qu'ils connaissent très bien les rapports de force. Et c'est quelque chose qu'il faut rappeler, parce que la République islamique d'Iran vient ce matin même d'en faire une nouvelle fois la démonstration, reconnaissant avoir abattu par erreur l'avion, le Boeing qui transportait des Irano-Canadiens, des Canadiens, des Ukrainiens, des Suédois, etc. Bon. C'est le deuxième point. Troisième point, je ne crois absolument pas à l'escalade. Je n'y crois absolument pas parce que nous avons aux États-Unis une campagne électorale présidentielle qui vient de commencer. Donald Trump est d'une très grande stupidité concernant les affaires stratégiques, mais certainement pas concernant les affaires intérieures. Il sait parfaitement comment être réélu. En tout cas, il le pense et à juste titre, il croit que rapatrier les cercueils de soldats américains sur le sol américain, ce serait catastrophique pour sa campagne. Il a raison. Donc, frapper ce général iranien, a-t-il pensé, ne susciterait pas une réaction des Iraniens si violente qu'ils seraient obligés de
voilà, de rapatrier des soldats américains. Et d'ailleurs, ça ne se fait pas jusqu'à présent, puisque la riposte iranienne a été quasi immédiate, elle a été sérieuse, elle a été militaire, elle a été forte, mais a priori, pour l'instant, il n'y a pas, rien ne démontre qu'il y a des victimes américaines. Et je pense qu'on en restera là. Pourquoi ? Et je conclue. Parce que, encore une fois, les Iraniens savent parfaitement que sur le plan des rapports de force, l'escalade, de toute façon, leur coûterait plus cher que ce qu'elle leur rapporterait. Par conséquent, je pense que dans cette région effectivement tendue, nous avons affaire à une énième crise, mais qui n'est pas nécessairement plus dangereuse que les autres. Oui. Néanmoins, est-ce que est-ce qu'on peut craindre, on assiste à une forme de désescalade depuis quelques jours, mais néanmoins, la tension va rester encore pendant un certain temps. Ah mais ça, je vous le confirme. Ça, c'est pas bien sûr, et je ne serai pas grand devin en vous le confirmant. Mais d'abord, le Moyen-Orient en a connu d'autres crises, et bien plus graves, d'ailleurs beaucoup plus déstabilisatrices, me semble-t-il, d'une part, d'autres notamment dans les années 70 et 80. D'autre part, ce qu'on a l'habitude d'appeler le conflit israélo-arabe aujourd'hui n'est plus qu'un nom, un concept, parce qu'à part le noyau dur de ce conflit, c'est-à-dire le conflit israélo-palestinien, mais dont tout le monde se fiche, hélas, mais notamment les États arabes, l'Iran faisant semblant de s'intéresser aux Palestiniens, bon, mais tout ça n'est pas très sérieux. Si vous ajoutez à cela que en Syrie, aujourd'hui, la faute de combattants, Assad a quasi gagné la guerre, et que les Russes souhaitent le départ des Américains de la région, en ne cherchant donc bien évidemment pas à rebattre toutes les cartes, parce que ça leur serait négatif, en quelque sorte, bah vous avez là plutôt des voyants ouverts. Il me semble que, bien sûr, avec l'Iran, la tension va demeurer, notamment sur le plan nucléaire, parce que personne au monde ne veut d'une bombe iranienne. Ni les Chinois, ni les Russes, ni les Américains, ni les Européens, ni personne, ni les voisins, bien évidemment. Donc ils ne l'auront pas. Mais en échange, il faut bien que Téhéran puisse obtenir quelque chose. Alors, merci pour ces éclaircissements. Revenons un peu sur les assises contre le négationnisme. C'était la 10e édition cette année. 10e édition marquée justement par la présence de Jean-Michel Blanquer. Pourquoi avoir imaginé il y a 10 ans d'organiser ce type d'assises et de conférences ? Pourquoi la thématique du négationnisme vous était apparue il y a déjà 10 ans comme étant importante ? Oh, il y a bien plus que 10 ans, mais pourquoi organiser quelque chose ? Alors d'abord, la première année, c'était un one-shot, comme on dit. C'est-à-dire que j'imaginais pas nécessairement un rendez-vous récurrent. Je me suis pas dit, tiens, chaque année, dorénavant, il y aura des assises. Mais ça a tellement bien marché, la première année, à la Paris School of Business, qui était à l'époque l'ESG, encore dans le 11e, aujourd'hui on est dans le 13e, que je me suis dit que, puisqu'il n'y avait rien d'autre, et c'est ça en fait ma réponse, il n'y avait rien d'autre en France, de manière récurrente, encore une fois, hein, il y a beaucoup d'événements anti-migrés, mais il n'y avait pas de rendez-vous annuel, ni bien évidemment mensuel, trimestriel, etc. Et par conséquent, j'ai décidé qu'il y en aurait un dorénavant. Voilà. Et, mais la thématique du négationnisme m'a toujours profondément marqué. Elle m'a toujours marqué comme étant un fléau, une véritable peste morale et un danger politique d'ailleurs, en termes de tensions accrues entre communautés ou entre États. Ça a toujours été vrai, bien évidemment, pour la Shoah, ça a toujours été vrai pour le génocide arménien, et ça a toujours été, alors, toujours, depuis un temps, bien évidemment, par définition plus court, depuis 1994, ça a toujours été pour le génocide des Tutsis rwandais, à mes yeux. J'ajoute un point, si vous le permettez. Hier a été proposé, tout à l'heure vous l'avez cité, Mourad Papazian a proposé une idée qui est objectivement très intéressante. Et je le dis ici, mais je l'ai dit publiquement hier pendant la suite des travaux. Il a proposé qu'une idée précise, qui n'était pas qu'une injonction, quelque chose de l'ordre d'un communiqué, d'une profession de foi, d'une vocation, devait sortir de chacune de ces assises, en tout cas de celle-là. Et lui a proposé qu'on insiste dorénavant davantage sur la négation du génocide arménien pour une raison très simple, c'est que la négation du génocide juif est interdite depuis la loi Guesso, alors ainsi que d'autres crimes contre l'humanité, mais enfin pour l'essentiel, ça concerne la Shoah. Alors, sur les Tutsis, c'est plus compliqué, mais ça risque de devenir plus gênant, en quelque sorte, pénalement, dans les prochains mois, les prochaines années, de nier ce génocide-là. Et sur les Arméniens, il n'y a rien. Enfin, quasiment rien. Parce que vous avez rappelé, avec raison, la loi du 21 janvier 2001, sauf que vous savez parfaitement, et on le déplore tous, que c'est une loi qui n'entretient pas, qui ne dispose pas, dans son dispositif, de coercition. Alors, une loi qui ne se protège pas elle-même, écoutez, c'est une loi déclaratoire. Donc c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et il a proposé que on travaille dorénavant davantage là-dessus. Et quelque chose m'a marqué.
le professeur François Heilbronn, donc, dont je me réjouis qu'on l'entende effectivement tout à l'heure, qui a été remarquable hier, comme à chaque fois, qui est vice-président du Mémorial de la Shoah, il a cité des chiffres très intéressants, très optimistes, sur la reconnaissance des génocides en France. Il a dit, alors, de mémoire, en citant les travaux de la Fondapol et de Dominique Régnier, sur une enquête réalisée ces dernières années, que, pardon, de mémoire, 92-93% des personnes interrogées reconnaissaient le massacre des Juifs pendant la guerre comme étant un génocide. Formidable, très bien. Ça veut dire que les profs font leur boulot, que nous on fait notre boulot, que vous faites votre boulot, formidable. Et puis, dans la foulée, il a indiqué que, de mémoire toujours, 76% des gens reconnaissaient que les massacres contre les Arméniens en 1915 et que les massacres contre les Tutsis au Rwanda en 1994 étaient un génocide. Formidable, sauf qu'il y a un problème. Pourquoi c'est quasiment 20 points d'écart? Donc il y a encore du boulot. Et donc, oui, cette proposition de Mourad Papazian a été retenue et elle sera dûment travaillée. Alors, depuis 10 ans, est-ce que néanmoins, est-ce que vous avez constaté, vous, des évolutions? Alors, à la fois dans les différentes formes que peut prendre le négationnisme, et puis aussi dans les formes que peuvent prendre la lutte contre le négationnisme. Oui, il y a eu deux évolutions. La première, c'est que la forme individuelle, artisanale, et néanmoins abjecte, du négationnisme classique a reculé, notamment du fait de la loi Guesso. En revanche, le négationnisme d'État est toujours aussi virulent. Je pense bien évidemment à la Turquie et à l'Azerbaïdjan concernant le génocide des Arméniens. Je pense à des activités que je n'oserais pas qualifier de culturelles ou d'humoristiques de la part de la République islamique d'Iran. Et alors après, bon, vous avez un certain nombre d'États qui sont, au moins ambigus. Donc ça pose toujours problème. Et en fait, me semble-t-il, c'est là-dessus contre lequel on a beaucoup plus de mal à lutter, parce que Guesso ou toutes les lois de 2001 ne feront rien face au négationnisme d'État turquois ou azerbaïdjan. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce dispositif qui suffira. Là, il me semble qu'il demeure un point central dans la lutte. Mais je dois dire que je suis assez optimiste. Et ces dix dernières années, j'ai effectivement donc constaté que l'autre négationnisme, le traditionnel, le classique, celui qui a commencé avec Racinier dès la sortie des camps, il était quand même sur le reculoir, ou en tout cas... Il était plus gêné ou plus discret qu'auparavant. Et puis, je le dis en deux mots, le deuxième constat que je fais, c'est le complotisme, qui, lui, est l'autre face du Janus négationniste. Parce que oui, les négationnistes sont tous systématiquement des complotistes, d'une manière ou d'une autre. Là, ils progressent. Et là, les réseaux sociaux sont une caisse de résonance terrible de ce qui existait déjà auparavant. Le complotisme a toujours existé. Mais là, on a affaire à quelque chose qui me... Bon, les fake news, hein, pour faire très court, menant parfois à un véritable complotisme de type, j'allais dire, psychanalytique, chez beaucoup de gens. Et là, malheureusement, ça, c'est... lutter contre ça, ça va être une autre paire de manches. Justement, effectivement, moi, je constate qu'il y a une montée, en tous les cas, du complotisme et d'une certaine forme, et des négationnismes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur etc. Et ce qui est encore plus gênant, c'est qu'il est maintenant fait par... Monsieur tout le monde, et qui tout à coup se prend pour un historien, qui se prend pour là-dessus, et qui balance sa vérité, et c'est la sienne, et on sent un peu les autorités un peu désarmées face à ces mécanismes. Sur ces sujets-là, est-ce que Jean-Michel Blanquer a essayé d'apporter un commentaire hier? Un commentaire, même beaucoup de commentaires. Il avait sacrément bossé son sujet. Je pense qu'on peut réellement le remercier. Il n'est pas seulement venu pour nous faire coucou. Il y a eu un certain nombre de choses. Alors d'abord, une injonction à combattre avec la dernière énergie le complotisme, le négationnisme, notamment sur les réseaux sociaux. Maintenant, le problème, c'est comment. Et vous savez très bien que là, on fait face, dans les démocraties, à la dictature, n'ont pas ce problème. Hein. Dans les démocraties, on fait face à un problème, j'allais dire, quintessentiel, qui est celui de la sacro-sainte liberté d'expression. Jusqu'où doit-elle pouvoir prévaloir? Où s'arrête-t-elle? Bon. Et là, on est sur... En France, en tout cas, aujourd'hui, on peut s'en réjouir, on a affaire à un gouvernement et un exécutif qui semble vouloir être intraitable vis-à-vis des GAFA. Et il l'a rappelé à plusieurs reprises, hein, le ministre Blanquer, vis-à-vis des GAFA, pour leur tordre le bras lorsqu'il le fallait, lorsqu'il laissait manifestement la loi être violée. Attention. Donc du coup, là,
on revient au problème de la loi. C'est-à-dire qu'il faudrait un renforcement législatif à la fois contre donc, tous les négationnismes, mais aussi contre le complotisme. Mais encore une fois, après, c'est question d'interprétation. Et les juges, à terme, risquent d'être totalement débordés, enfin, je veux dire, de crouler sous des avalanches de plaintes, sérieuses ou pas, sur des propos alors présumés complotistes ou qu'ils le seraient vraiment. Vous voyez, là, on touche à quelque chose qui est extraordinairement compliqué. Et il faut s'en remettre à la fin des fins, à la bonne foi, à la bonne volonté citoyenne des gens. Et c'est difficile, parce que ça, un gouvernement dans un État démocratique ne peut pas, a priori, imposer une bonne foi et une bonne volonté aux gens. Puis on voit bien que dans les États démocratiques, il peut y avoir des positions très différentes. Les États-Unis ont sacralisé la liberté d'expression et autorisent tous les points de vue, y compris les pires, au nom de cette liberté d'expression. Les anglo-saxons, de manière générale. Les anglo-saxons, de manière générale, les anglais également. Et en France, on envisage justement des poursuites pénales, on utilise le recours au juridique. Est-ce que le juridisme, et, enfin les actions juridiques, est-ce que c'est vraiment le seul moyen de lutter contre le négationnisme ? Je me souviens qu'un jour, d'ailleurs je crois que c'était les premières, toutes premières, j'avais invité l'historien André Caspi. Et j'avais dit à André Caspi, mais moi je suis favorable à la loi Guesso, je pense que les mots tuent. Alors j'étais favorable à son extension en faveur, enfin pour inclure le génocide arménien, le génocide des Tutsis rwandais. Et il était contre, comme d'ailleurs la quasi-totalité des historiens. Sacro-sainte liberté d'expression, laisser les historiens faire leur travail, bon, ce qui ne sont pas des arguments de dénués de sens. Bon, moi, je ne les partage pas, mais. Et il avait ajouté quelque chose d'intéressant. Il m'avait dit, mais vous savez, Frédéric, on ne combat pas la bêtise avec des lois. C'est un argument fort. Je ne partage pas. C'est-à-dire qu'on peut. On doit constater que les mots peuvent tuer. Des mots peuvent tuer. Des encouragements, des incitations ne sont pas des actes. Sauf que démonstration de force vaut force, démonstration de violence ou de volonté de perpétrer de la violence vaut violence. Je ne rappellerai pas à vos auditeurs, qui sont tous sur ces questions-là, notamment extrêmement érudits et cultivés, à quoi a mené Mein Kampf d'Hitler. Donc c'est, oui, les mots peuvent tuer. Donc la République doit se protéger des extrémistes qui, sous couvert de liberté d'expression, tentent de nier la réalité. Hein. Hier, je rappelais dans ce colloque, il fallait toujours en revenir à l'impératif catégorique kantien qui était la vérité. Il peut y avoir des interprétations différentes sur la gravité d'un phénomène, sur ce qu'on doit faire pour que ce phénomène ne se reproduise pas, sur les différentes sensibilités liées à ce phénomène. On peut toujours en discuter et en débattre, mais certainement pas de sa réalité lorsqu'il s'agit du crime des crimes, parce que sinon nous scions la branche humaniste et démocratique sur laquelle nous sommes assis. Je ne peux pas vous dire mieux pour l'instant, parce que la loi ne peut pas tout. Mais est-ce que d'une autre façon, moi je suis personnellement aussi favorable à la loi, ça on le savait au départ, mais est-ce que ça n'impose pas non plus chez les scientifiques, chez les historiens, chez les politologues, etc., les nouvelles formes de négationnisme, et notamment le complotisme, n'imposent-ils pas une plus grande prise de parole ? C'est-à-dire que face à la bêtise, il faut davantage réaffirmer la vérité. Alors, je suis d'accord et je ne constate pas que ça ne se fait pas. Quand vous allez sur les étals quand vous allez regarder les étals des librairies, vous trouvez quand même. Alors, je reviens peut-être, oui, peut-être dans les librairies, etc. Mais néanmoins, le sensationnalisme journalistique et notamment sur les réseaux sociaux, tout ce qui veut faire le buzz, etc. C'est beaucoup plus facile d'essayer de faire le buzz en disant « Regardez, j'ai une vidéo qui prouverait que les hommes n'ont pas marché sur la Lune ou qu'il n'y a pas eu de génocide ou que les chambres à gaz n'ont pas existé. » Alors que, donc à ce moment-là, il faut quand même qu'il y ait aussi de la matière et de la documentation pour dire « Non mais monsieur, tout ça c'est de la bêtise et vous êtes dans une position négationniste. » D'où mon invitation hier à Rudi Reichstadt, qui est un remarquable jeune homme qui a créé et qui anime Conspiracy Watch, donc un site anti-négationniste, anti-conspirationniste, oui, anti-complotiste. Il utilise de la pédagogie, il utilise des éléments scientifiques extrêmement clairs, il utilise de l'humour aussi. Et c'est pas idiot. C'est pas idiot. Pointer le doigt sur le fait que les négationnistes sont tout à fait grotesques et ridicules. Maintenant, vous posez la question fondamentale de la pédagogie. Comment convaincre des gens de ne pas se laisser manipulés en quelque sorte par des fausses informations aussi faciles à obtenir et parfois aussi agréables à regarder.
hein, sur les réseaux sociaux, les complotistes savent, bien évidemment, et les négationnistes savent, bien évidemment, comment, comment tenter de vous toucher. Je vais vous donner un petit truc, comme aurait dit à l'époque un magicien célèbre. Je vais vous donner un truc. Dans mes amphis, c'est vrai à Sciences Po, c'est vrai à PSB, et d'ailleurs dans de nombreux lycées dans lesquels j'interviens hein, pour, sur ces questions-là, je dis aux jeunes gens que j'ai en face de moi, regardez, je vais vous demander à chacun d'entre vous de me démontrer, mais par une preuve absolue, absolue, que vous n'êtes pas un clone, que chacun d'entre vous qui m'écoutez n'est pas un clone et que vous êtes bien l'enfant de vos deux parents. Je leur laisse quelques dizaines de secondes, quelques minutes. Alors, au début, ils ricanent, c'est facile à démontrer. Ils lèvent le doigt et j'ai toujours les mêmes réponses. Ben, le médecin a certifié que... Faites voir le certificat de... Non, mais c'est un faux grossier. Allons, allons. Témoignage de telle sage-femme. Mais, c'est un... mais elle ment. Qui me dit qu'elle n'a pas été payée pour, dire, pour faire un mensonge? Ça n'existe pas encore. Prouvez-moi que ça n'existe pas encore, le clonage humain. Ils sont dépités. Au bout de quelques minutes, je vois des visages, j'allais dire des visages pâles, parce que ces jeunes gens n'ont pas réussi à me donner la preuve absolue. La preuve absolue, c'est dans ma phrase, c'est le terme absolu qui compte bien évidemment. Par définition, elle n'existe pas, elle n'existera jamais aux yeux du négationniste. Lui part d'un postulat consistant à dire « c'est faux, j'attends la preuve ». Donc il procède par ce fameux mécanisme qui est répugnant de l'inversion de la charge de la preuve. Démontrez-moi que ce que vous dites, ce que vous avancez, que ce qui a été proposé, ce qui a été montré, écrit, etc. est absolument, je mets ça entre guillemets, hein, vrai. Et vous ne pourrez jamais le démontrer à un négationniste. De la même manière que vos jeunes gens en face de vous, enfin les gens que vous avez en face de vous, ne pourront jamais vous démontrer que ce ne sont pas des clones. Alors, nous avons le professeur Heilbronn actuellement en ligne. Professeur, bonjour. Allô ? Bonjour. Donc vous êtes le vice-président du Mémorial de la Shoah. Hier, lors de... Donc, Frédéric Ancel vous écoute. Hein, et vous salue. Et vous salue. Bonjour Frédéric, je le salue aussi et je le félicite pour cette excellente 10e édition des Assises contre le négationnisme. C'était absolument passionnant et riche et intéressant. Alors justement, on va revenir un peu sur votre intervention d'hier, puisque vous avez indiqué que, selon vous, et j'essaye de résumer, donc peut-être que mon propos sera un peu caricatural, mais que pour vous, la bataille contre le négationnisme était en passe d'être gagnée. Et En France. Justement, est-ce que vous pourriez redévelopper un peu cet argument? Qu'est-ce qui vous permet de penser qu'on est sur la bonne voie? Je vais essayer de vous le démontrer de manière quantifiée, mais en fait, dans mon propos introductif du matin, et l'après-midi, Serge Klarsfeld est intervenu. Et Serge Klarsfeld nous a relaté ses 40 ans de combat contre le négationnisme en France. Et à ma grande surprise, mais pas forcément à ma grande surprise, en fait, il disait un peu la même chose que moi. Ce qu'il disait, c'est qu'il y a 40 ans, quand dans la foulée de Darquet de Pellepoix, qui avait dit à Auschwitz, on avait gazé que des poux, qui avait fait la couverture de l'Express et qui avait choqué énormément de monde, les négationnistes sont arrivés en force, notamment Forisson et Garotti, et Pierre-François Weiger l'avait rappelé aussi. Le Monde, en 79, avait fait une double page où il y avait Georges Weders, qui était le grand historien du Mémorial de la Shoah, sur une page qui parlait de l'extermination des Juifs, et sur l'autre page, il y avait Robert Forisson, comme si c'était un débat académique historien. Et ce qu'a montré Serge Klarsfeld, c'est que depuis 40 ans, les travaux historiques, la recherche historique, les archives, le travail des historiens, les publications, ont fait sortir complètement du champ de la réflexion historique les négationnistes. Aujourd'hui, les négationnistes en France et dans la plupart des démocraties occidentales, je ne parle pas du monde arabe, du monde musulman et notamment de l'Iran, en tous les cas, dans le champ historique des grandes démocraties occidentales, les historiens révisionnistes, négationnistes, ont perdu toute crédibilité et n'ont pas la parole. Et j'ai entendu là vos échanges avec Frédéric, et je suis tout à fait d'accord avec vous deux. Le vrai danger aujourd'hui sont les réseaux sociaux, sont le complotisme, le conspirationnisme, et évidemment le négationnisme qui a fusionné avec le complotisme. Mais c'est les réseaux sociaux, ce sont des tribuns, mais ce n'est pas une recherche historique argumentée. Donc ça, c'est un premier point. Alors, ce que j'ai dit hier, je me suis appuyé, comme l'a évoqué Frédéric, sur une étude réalisée par Fondapol, qui est un think tank politique dirigé par le professeur de sciences politiques Dominique Régnier. C'est une étude qui a été faite dans 31 pays, sur 31 000 jeunes entre 16 et 29 ans. Donc
qui a 31 pays, c'était justement la comparaison internationale qui m'intéressait et qui montrait que deux tiers des jeunes interrogés considèrent l'extermination des juifs par les nazis comme l'événement le plus important de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est dans les 31 pays. Et parmi ces 31 pays, les Français sont les premiers, avec 88%, considèrent que l'extermination des juifs est l'événement le plus important de la Seconde Guerre mondiale. Alors, Frédéric a cité un certain nombre de chiffres. Alors, il n'a pas complètement bien mémorisé. Et c'est plutôt rassurant sur les trois grands génocides du XXe siècle, et notamment la connaissance des jeunes Français sur ces trois grands génocides. Alors, on leur a posé la question suivante, qui est intéressante. Selon vous, peut-on parler de génocide dans chacun des conflits suivants ? Donc, on leur a proposé différents massacres, et on leur a demandé s'ils pouvaient qualifier ça de génocide. Alors, le massacre des Juifs par les nazis, c'est 90%, mais ça c'est à l'échelle internationale. Le massacre des Arméniens par le mouvement des jeunes Turcs, à l'échelle internationale, c'est 77%. Et le massacre des Tutsis par le Hutu Power, c'est à l'échelle internationale 76%. Donc 90, 77, 76. Mais ça c'est à l'international, et ça c'est ce qu'a dit retenu Frédéric. Par contre, pour la France, et c'était là l'objet de mon propos d'hier, c'est beaucoup plus rassurant et ça montre l'efficacité du processus d'éducation et d'enseignement que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Donc en France, l'extermination des Juifs est un génocide pour 96% des jeunes, le massacre des Arméniens est un génocide pour 93% des jeunes et le massacre des Tutsis est un génocide pour 94% des jeunes français. Donc vous voyez que cette perception est très forte en France, et par exemple, si on parle du massacre des Arméniens, c'est 93% des jeunes Français. Par contre, en Angleterre, ce n'est que 68%, et aux États-Unis, ce n'est que 64%. Donc si on prend des démocraties comparables, avec des niveaux d'éducation comparables, on voit bien que le travail éducatif qui est fait en France, notamment sur les grands génocides tutsis, arméniens et juifs, la connaissance des jeunes Français est nettement supérieure à celle qu'on peut voir en Angleterre aux États-Unis. Sur les Tutsis, c'est pareil, 94% pour les jeunes Français, contre 75% pour les jeunes Anglais et 67% pour les jeunes Américains. Donc on voit que le travail associatif qui est fait par vos associations, qui est fait par Mémorial de la Shoah, qui est fait par l'association Ibuka pour les Tutsis en France, paye, et surtout les relais éducatifs que nous avons, notamment avec les enseignements des grands génocides du XXe siècle dans les programmes scolaires, fonctionne et il y a une vraie connaissance qui est tout à fait rassurante. Alors ça n'enlève pas la problématique des réseaux sociaux que nous pouvons continuer à évoquer. Alors je voudrais rebondir un peu sur cette étude, puisque par rapport à ce que vous venez de dire en conclusion, on voit bien qu'également une des actions des négationnistes aujourd'hui, c'est justement d'attaquer ce qu'ils appellent l'histoire officielle à travers l'éducation, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils avaient perdu une bataille sans doute sur ce terrain-là et qu'ils veulent qu'on revienne sur les manuels d'histoire et qu'on revienne et qu'on enlève toutes ces questions des manuels d'histoire. Est-ce que c'est là le nouveau combat des négationnistes ? Je pense pas. Je pense qu'ils savent qu'ils ont perdu le combat de l'éducation. L'éducation nationale, ça fonctionne de mieux en mieux. Nous, on le voit au Mémorial de la Shoah. Je vous dis ça parce que c'est une des revendications majeures d'un certain nombre d'associations et de mouvements turcs ou azéris en France qui demandent à ce que le génocide arménien ne soit plus enseigné en France. Tout à fait. C'est une revendication, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'éducation nationale est très ferme là-dessus. Nous, au Mémorial, on a un partenariat avec tous les rectorats de France. On a signé un partenariat avec tous les rectorats de France. On forme chaque année 6 professeurs et on les forme. C'est pas seulement en tant que Mémorial de la Shoah, on ne travaille pas, et vous le savez, on ne travaille pas que sur le génocide des Juifs, mais aussi on travaille sur le génocide des Arméniens et des Tutsis. On avait fait, vous le savez, une grande exposition pour le centenaire du génocide arménien. Et nous intervenons à chaque fois dans la formation des professeurs sur les grands processus génocidaires. Et donc, on a formé 25 000 professeurs d'histoire sur les 10 dernières années. Donc, ils ne peuvent pas aller contre un travail de fond, un travail de terrain. Et maintenant, je dirais, on a réglé le problème. Et même dans la région lyonnaise,
vous savez, ça a toujours été un peu difficile parce qu'il y a pas mal de jeunes Turcs qui tenaient des propos négationnistes sur le génocide arménien dans les classes. Même dans ces établissements, on fait reculer ces propos, cette bêtise, par un enseignement SSR. Donc effectivement, il y a une revendication de certaines associations, mais sur le terrain de l'éducation nationale, à mon avis, c'est on a gagné le combat, il faut évidemment le continuer, on continue nos formations, et on a de plus en plus de demandes de professeurs pour faire nos formations, et on est en train de gagner ce combat. Par contre, là où je partage votre inquiétude, ce sont les réseaux sociaux, et c'est pour ça que la loi Avia, dont on a beaucoup discuté hier pendant le colloque, qui obligerait les propagateurs et les organisateurs de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube, de retirer dans les 24 heures tout propos antisémite, raciste, et négationniste et complotiste de cette loi Avia est absolument essentiel pour forcer ces réseaux sociaux qui n'ont que des visées évidemment mercantiles à investir massivement pour pouvoir nettoyer ce qui est devenu maintenant une des poubelles de la communication actuelle qui sont la haine sur les réseaux sociaux. Alors justement, vous évoquez en parlant du mémorial de la Shoah, et c'est vrai que le mémorial de la Shoah joue un rôle exemplaire dans la lutte à la fois pour faire connaître la vérité de tous les génocides et de lutter contre le négationnisme. Pensez-vous que véritablement le combat contre le négationnisme ne peut se gagner que justement par l'union de tous, ce que j'allais dire, des victimes et de tous ceux qui les représentent aujourd'hui? Il ne peut pas y avoir de concurrence des mémoires dans la lutte contre le négationnisme. Non, absolument pas. Justement, il y a le camp des Mille fait un travail extraordinaire aussi. Oui, tout à fait. Il y a toute une salle consacrée à l'étude des processus génocidaires. Et nous allons agrandir et rénover le mémorial prochainement, parce que nous allons pouvoir déménager nos bureaux. Et nous allons créer aussi une salle sur les processus génocidaires. Ce qu'on voit bien dans les expositions qu'on a pu présenter au mémorial, sur le génocide arménien, Tutsi, on a présenté un aussi sur les Gitans, qu'on a appelés les nomades, et sur évidemment le génocide juif. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a évidemment dans les systèmes de mise à mort une différence, et c'est des différences techniques en fait. Par contre, dans la montée des processus génocidaires, il y a des points communs absolument évidents. Je dirais que récemment, on en a plus un avec le génocide des Yézidis, et on commence à travailler là-dessus, sur les processus du génocide des Yézidis. Donc on n'est plus du tout dans ce discours, nous on n'a jamais été évidemment, parce que historiquement, le mémorial a toujours été intéressé par les autres génocides. Mais les recherches historiques, les travaux comme l'historien avec qui on travaille beaucoup, comme Yves Termont, montrent qu'il faut réfléchir justement à ces processus génocidaires et que c'est un travail en commun que nous faisons avec toutes les associations et tous les historiens. Et c'est absolument essentiel parce que ça permet aussi de déconstruire et aussi de convaincre. Juste pour conclure, pour vous donner un dernier exemple, quand on reçoit des lycéens ou des collégiens mémorial, on les fait rencontrer presque systématiquement des rescapés d'un génocide. Évidemment, on a de moins en moins de rescapés de la Shoah, mais on a beaucoup de rescapés Tutsi. Et très souvent, on leur dit, vous allez rencontrer un rescapé d'un génocide, et donc ils s'attendent à voir arriver un vieux monsieur ou une vieille dame rescapé des camps de la mort d'Europe. Et ils voient rentrer une jeune femme ou un jeune homme d'une quarantaine d'années qui est un rescapé Tutsi et qui raconte ce qu'il a vécu. Parfois même, on les fait en duo avec un rescapé de la Shoah. Et effectivement, c'est très efficace parce qu'ils se rendent compte que les processus de mise à l'écart, de critique, d'ostracisme, de haine, et puis d'appel à la violence et d'appel au meurtre, sont en fait les mêmes mécanismes qui conduisent au génocide. Merci, professeur Albron. Alors, avant de vous quitter, Frédéric Ancel avait un petit message, une petite question à vous poser. Oui, c'est une question et un message et en même temps. J'ai été approché à plusieurs reprises, et sans doute que tu l'as été aussi, peut-être, cher François, par des gens qui sont manifestement, en tout cas pour ce qui me concerne, ça a été mon expérience, et à plusieurs reprises, par des gens qui sont des négationnistes du génocide arménien et qui me disaient, mais en fait, ce que vous faites va galvauder ou va dévaloriser
votre combat qui était déjà le vôtre face à la négation très juste de la Shoah. Ne mélangez pas tout, faites attention. Ici, vous avez un génocide, ici, vous n'avez pas. Alors, tu imagines très bien quel type de réponse je leur faisais, plus ou moins poli. Est-ce que ça a été vrai pour toi? Est-ce que c'est vrai de manière plus générale pour le mémorial? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, de façon étatique ou de façon individuelle, tu as été ou vous avez été déjà sollicité par des gens qui tentent justement, pour répondre à la question de notre ami journaliste, d'introduire un biais ou un coin ou de casser l'unité mémorielle anti-négationniste? Alors, c'est une très bonne question et très subtile, comme toujours. On a eu évidemment des pressions, d'abord de l'ambassade de Turquie en France, auquel on a toujours résisté, on n'a jamais endossé l'ambassadeur de Turquie, dès qu'on a fait l'exposition sur le centenaire du génocide arménien, quand on a publié dans la revue d'histoire de la Shoah un livre très très complet d'études historiques sur le génocide arménien, on a eu des pressions, évidemment, on a résisté à ces pressions, ça c'est sur le plan étatique. Sur le plan personnel, on a eu certaines critiques, et là c'est très désagréable, venant de certains milieux juifs, qui nous disaient « vous êtes le mémorial de la Shoah, pourquoi vous faites une exposition sur les Tutsis, les Arméniens, les nomades ? C'est pas votre sujet. » Et donc là, c'est la réponse que je vous ai faite, c'est que, au contraire, c'est notre sujet. Les processus génocidaires, il faut les comprendre. Et si on avait bien compris le génocide arménien, ben on aurait peut-être pu anticiper et mieux se préparer à lutter contre les génocides des Juifs et des nomades, et puis après le génocide des Tutsis, plus récemment des Yézidis. Et donc la compréhension des processus génocidaires sont clés. Et là, je dirais qu'il n'y a absolument plus aucun débat, même dans la communauté juive, sur ce sujet. On l'a convaincu. Et aussi, on a convaincu les milieux scolaires d'enseignement et de formation des professeurs. Professeur Heilbronn, est-ce que vous pourriez rappeler... Vous le voyez aussi sur les journalistes. Maintenant, les journalistes font beaucoup moins d'erreurs sur le génocide arménien qu'avant, et même sur le génocide des Tutsis, où il y a eu énormément d'erreurs, il y a eu énormément de désinformation. Il y a encore quelques journalistes qui parlent du génocide du Rwanda, qui est un terme absolument débile. Cela aussi, ça recule. Donc c'est un travail de très longue haleine, mais effectivement, c'est par la cohésion de toutes les associations et de toutes les institutions qu'on peut gagner ce combat. Professeur Heilbronn, merci. Est-ce que vous pourriez juste en deux mots rappeler que dans ce processus justement mené par le Mémorial de Shoah, le rôle important que moi je connais, mais qui est méconnu, qu'a pu jouer une personne comme Simone Veil dans ce processus de lutte contre le négationnisme de tous les génocides? Tout à fait. Ça a été son combat de toujours. J'en avais parlé avec elle. Elle avait été témoin, en fait, de l'extermination petit camp des nomades à Auschwitz-Birkenau, de ces familles entières qui, en quelques jours, ont été conduites aux chambres à gaz. Et pour elle, ça a été une des premières, d'ailleurs, d'il y a plus de 50 ans déjà, dans ses combats et dans ses témoignages quand elle venait au mémorial, de dire qu'il y a eu le génocide juif et il y a eu le génocide des gitans et des nomades. Et elle était très, très, très sensible aussi au génocide des Arméniens et plus récemment au génocide des Tutsis. Et elle nous a toujours encouragés dans ce combat, et Jacques Fraisse, le directeur du mémorial que vous connaissez, a été aussi moteur sur ce travail. Et effectivement, vous avez raison de rendre hommage à Simone Veil, parce que ça a été vraiment une des précurseurs de ce combat pour que ce soit pas seulement judéo-centré la réflexion sur le génocide, mais que ce soit étendu au grand génocide du XXe siècle, dont le génocide arménien, qui a été le premier, le plus emblématique, et qui en fait a été précurseur des autres. Et puis une dernière remarque d'ailleurs, parce que nous avons fait aussi une exposition au Mémorial de la Shoah sur un des tout premiers génocides qui était un peu particulier, qui était en Afrique australe, qui était l'actuelle Namibie, à l'époque de la colonisation allemande, où il y a eu une forme de génocide des Nabis et des... Herero, exactement. Et c'était assez intéressant parce que déjà, dans les méthodes génocidaires allemandes de 1905, ils étaient précurseurs de certaines des techniques qu'ils ont utilisées ou ils ont conseillées à des officiers turcs, notamment de déporter des familles entières dans les déserts pour les laisser mourir de faim. Et donc on voit que dans l'histoire, il y a une continuité dans le crime et dans les techniques de crime. Professeur Heilbronn, merci encore pour votre intervention ce matin sur les antennes d'IPFM.
Je vous remercie. À très bientôt. Et une prochaine fois. Alors, on vient de le voir, et puis on va bientôt avoir au téléphone Dominique Sopo, mais le colloque d'hier a beaucoup parlé effectivement du projet de loi, parce que le projet n'est pas encore voté à VIA. Que peut-on en attendre de ce projet de loi sur les réseaux sociaux de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme sur les réseaux sociaux? On peut en attendre beaucoup dans la mesure de ce que le public veut bien recevoir. C'est-à-dire que je reviens à Caspi. Le problème, c'est que si vous avez en face des gens qui manifestement, pour des raisons biographiques, idéologiques, mercantiles parfois, souhaitent considérer ou se complaisent dans la manifestation du complotisme, qui considère qu'il y a toujours quelque chose derrière. Tout à l'heure, vous avez employé le terme officiel. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est au contraire, c'est très, ça fait triste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui, notamment auprès de beaucoup de jeunes gens, dès que vous avez quelque chose qui relève d'une autorité établie, autorité du savoir, autorité de la chose jugée, autorité de ce qui est effectivement donc officiel ou perçu comme officiel, c'est globalement, ça a mauvaise réputation, c'est rejeté, c'est ricané. On essaye toujours de, enfin chez beaucoup de gens, pas tous, mais heureusement, on essaye toujours de voir ce qu'il y a derrière, comme si des espèces de mains invisibles en permanence étaient là pour, en réalité, organiser le véritable cours des événements. Et ça, une loi contre ça, ouais, moi j'y suis bien sûr favorable, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire, ça ne réglera pas tout. Je vais vous dire, le combat anticomplotiste et antinégationniste, c'est un combat sans fin. Alors, on va poser la même question à Dominique Sopo. Dominique Sopo, bonjour. Bonjour. Alors, je sais que vous avez un cours qui va bientôt commencer, donc on va essayer d'être rapide. Même question, si vous l'avez entendu, qu'à Frédéric Ancel. Que peut-on attendre de cette loi contre le racisme, l'antisémitisme et le négationnisme sur les réseaux sociaux? SOS Racisme est en pointe sur ce dossier. Que peut-on en attendre? Ce que l'on peut en attendre, c'est une modification de la situation actuelle, dans laquelle, pendant très longtemps, on a estimé que ce qui se passait sur les réseaux sociaux, et notamment sur les grandes plateformes, devait échapper à la loi commune qui fait qu'en France, on n'a pas le droit d'exprimer la haine de l'autre, sous différentes formes, et notamment la question de l'incitation à la haine raciale. Il se trouve que cette loi va mettre un terme à cette situation dans laquelle, de fait, les réseaux sociaux avaient une obligation de modération, d'ailleurs assez faiblement respectée jusqu'à très récemment, mais surtout n'avaient pas de contraintes, n'avaient pas de sanctions si cette obligation de modération n'était pas mise en œuvre. Par contre, sur la question du négationnisme, il faut dire que pour l'instant, l'état du texte n'intègre pas la question du négationnisme. Ça a été rejeté par des rédacteurs. Peut-être que ce sera réintroduit en lecture finale, il faut l'espérer. Mais il y a encore du progrès à faire sur ce projet de loi. Oui, Sur cette proposition de loi. C'est vrai qu'effectivement, autant sur le racisme et l'antisémitisme, le projet de loi est relativement clair, autant sur la question du négationnisme. Et à l'intérieur même du négationnisme, la question... vous êtes sur IPFM, donc on va faire un point. C'est que la question du négationnisme sur du génocide des Arméniens n'est encore moins intégrée dans le projet de loi. Elle n'est de fait pas intégrée, parce que de toute façon, la question du génocide arménien, la question du fait de punir le négationnisme du génocide arménien a été exclue, malheureusement, par le Conseil constitutionnel, à partir d'arguments d'ailleurs très, très douteux sur l'absence de condamnation par un tribunal international. Donc la loi là, pour le coup, malheureusement, à venir, ne pourra pas aller contre la jurisprudence du Conseil constitutionnel de toute façon. Donc ça signifie que, s'agissant du génocide arménien, pour l'instant, on n'a rien à en attendre concernant le négationnisme du génocide des Arméniens. Alors, sur la question de la proposition de loi VIA, non. Après, par contre, il y a aussi d'autres éléments. C'est que il y a, bien évidemment, ce qu'impose la loi, et c'est ce que nous demandons à travers... La proposition de loi VIA de faire en sorte que le droit français soit respecté, puisque c'est une des problématiques à laquelle on est confronté,
c'est que finalement, il y a chez ces plateformes le fait de se dire que, après tout, le droit américain d'une très large liberté d'expression doit primer sur les droits nationaux, même s'il nie cette lecture des choses. Eh bien, nous disons, à partir du moment où ces plateformes agissent en France, elles doivent respecter le droit français. Mais au-delà de la question du droit français, il faut quand même savoir que les plateformes ont une liberté également de modération. On le voit par exemple sur la question de la nudité qui est extrêmement chassée sur les réseaux sociaux. Et donc il appartient aussi aux plateformes, par exemple, d'être titillées, si je puis dire, d'être interpellées sur la question de logique de haine qui ne tombe pas forcément sous le coup de la loi française pour faire en sorte qu'elles intègrent ces éléments comme étant des éléments qu'il faut modérer. Oui, vous avez tout à fait raison, Dominique Sopo. On a un peu l'impression qu'il y a des sujets sur lesquels les plateformes et les réseaux sociaux sont implacables et réagissent au quart de tour dès lors qu'on voit le bout d'une forme de nudité ou autre. Et par ailleurs, sur des sujets qui impliquent la haine, le racisme, sont d'une liberté confondante on a tous été confrontés en tant qu'utilisateurs au fait que de dire bah, vous pouvez envoyer une réclamation et dans la seconde qui suit, ce qui montre bien que c'est un robot qui répond, on nous indique que bah, finalement votre demande n'aboutit pas parce qu'il s'agit pas de propos manifestement tendancieux. Et que ça, c'est quand même un problème grave. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un deux poids, deux mesures dans cette démarche. Oui, je pense. Alors, ça renvoie à deux éléments, ce que vous dites. Ça renvoie au fait, d'abord, qu'il y a une prédominance d'une logique très américaine, d'ailleurs, y compris sur une forme de puritanisme autour de la question de la nudité, par exemple, hein, qui va s'appliquer dans la modération des réseaux sociaux. Qu'on soit clair, on demande pas non plus que les réseaux sociaux deviennent des sites porno. Hein, c'est pas ça l'objet. Non, mais bon, il y a effectivement des cas... mais qui renvoie à mon deuxième point, qui ont, on va dire, quasiment défrayé la chronique. Quand l'origine du monde de Courbet est censurée parce que ça représente un sexe féminin, on voit bien, en fait, la deuxième problématique, c'est qu'il est extrêmement simple, aujourd'hui, sur le plan technique, de repérer des photos de nudité. C'est pas très compliqué. Il faut bien savoir aussi que les plateformes ont une exigence économique, qu'elles ne veulent pas investir dans la modération. Donc, s'il y a des logiciels qui permettent de repérer automatiquement des nus que ces nus sont automatiquement supprimés, ça ne coûte pas très cher. Par contre, la question de la haine, c'est souvent une question de mise en contexte, c'est une question de texte, c'est une question d'articulation entre les mots, et là, de toute façon, à un moment donné, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place par des robots, premièrement, et deuxièmement, ça demande de toute façon l'intervention de l'humain et donc de la dépense que ne veulent pas faire ces plateformes, qui veulent bien prendre l'argent dans le traitement des données, qui est quand même la principale activité, mais qui ne sont très allantes dès lors qu'il faille investir dans la modération. Alors, justement, par rapport à ça, ne pensez-vous pas que, justement, les associations de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, comme SOS Racisme, comme la LICRA, comme le Comité de défense de la cause arménienne, qui demandent à être référents par rapport à ces questions pour les plateformes Internet, seraient également une solution, puisqu'ils seraient, eux, les modérateurs et pourraient identifier si les propos sont réellement racistes ou antisémites ou négationnistes. Alors, moi, je pense que ça... Alors, il y a deux problématiques. D'abord, est-ce qu'on a vraiment envie d'être référent en tant qu'association avec des plateformes que, par ailleurs, on est amené à critiquer, à interroger, à bousculer régulièrement? Ça, c'est un choix, j'allais dire, pour chacune des associations, avec des avantages et des inconvénients. Mais je pense, de toute façon, qu'il y a une forme de résistance de la part des plateformes sur leur prise de responsabilité. Et que donc, elles ne veulent pas, de toute façon, que cette modération, sur toute une série de points, puisse avoir lieu, puisque pour eux, ça renvoie à une conception qui n'est pas nécessairement fondée en termes de modération sur le plan quasiment philosophique, qui rejoint fort heureusement pour elles aussi le plan mercantile. Le deuxième élément, c'est qu'il faut aussi faire attention à quelque chose, c'est le transfert de la responsabilité. C'est qu'à un moment donné, les associations n'ont pas à mettre de l'énergie humaine sur des éléments où les plateformes ont une obligation. Quand on est sur un site de journal, peu importe d'ailleurs le site de votre radio, vous avez une obligation de modération.
comment dire, on ne demande pas aux associations antiracistes ou de lutte contre l'homophobie ou de lutte contre la pédopornographie ou je ne sais quoi d'autre de venir faire de la modération. Vous assumez vos responsabilités en tant qu'éditeur de votre site ou de vos forums. Eh bien, il serait bon que les plateformes soient amenées à exercer leurs responsabilités, et c'est en cela d'ailleurs que le cadre législatif est un cadre qui pour nous était un cadre essentiel, parce qu'on ne doit pas passer notre temps à négocier avec les plateformes à partir de leur bon vouloir. À un moment donné, ça n'est pas qu'une question de rapport de force circonstanciel, de savoir s'il y a modération ou pas, il y a un cadre législatif, et que ça plaise ou non aux acteurs économiques qui se voient imposer ce cadre législatif, c'est celui-là, et il ne se discute pas. Dominique Sopo, merci. Juste avant, Frédéric Ancel voulait vous saluer et vous dire quelques mots. Je salue également Frédéric. Oui, je salue. Un colloque d'ailleurs qui a été organisé pour les 10e assises contre le négationnisme, qui est un événement extrêmement utile qui permet aussi, dans un monde où il y a beaucoup d'émotionnels qui circulent, de mettre de la culture, de mettre des mots, de mettre de l'intelligence. C'est aussi comme ça, et c'est surtout d'ailleurs comme ça que l'on avance sur ces sujets. Merci beaucoup, non, et merci beaucoup à toi, puisque le Dominique Sopo a été et demeure un compagnon de route à la tête des SOS Racisme, de toujours, hein, des assises, et y compris parfois au pied levé dans des conditions difficiles. Et donc, merci beaucoup, parce que de nouveau, hier, sa contribution a été extrêmement appréciée et constructive. Merci encore, Dominique Sopo. Merci à vous. Alors, Frédéric Ancel, juste avant de vous lâcher, puisque vous avez un autre dans rendez-vous, 30 secondes, nous avons Mourad Papazian en ligne, dont vous avez évoqué tout à l'heure l'intervention. Extrêmement constructive aussi, je l'ai dit. Ouais. Donc, nous allons revenir avec lui dessus. Mourad Papazian, co-président du CCRF, bonjour. Bonjour. Alors, on l'a évoqué hier au colloque, vous avez mis l'accent sur le fait que le génocide des Arméniens était le seul à ne pas pouvoir encore être poursuivi, et vous avez demandé à ce qu'il puisse y avoir désormais une résolution, un message qui soit porté à chaque fois. Est-ce que vous pourriez, Frédéric Ancel vous écoute, mais est-ce que vous pouvez réémettre l'idée que vous avez émise hier déjà lors du colloque? Oui, d'abord, merci pour cette émission, parce que j'ai assisté aux 10e assises contre le négationnisme hier, et bravo Frédéric Ancel, parce que dans mon propos introductif, j'ai spécifié le fait que j'étais très impressionné par la masse d'intelligence, de culture et d'éducation qui étaient réunies dans une même salle et autour d'un même combat, puisqu'il s'agissait bien évidemment du combat contre les négationnistes, et que c'est un combat qui réunit forcément toutes les victimes des différents génocides qui se sont perpétrés au cours du XXe siècle. Et c'est important de le souligner, c'est un combat commun, parce que les négationnistes de la Shoah peuvent être ceux du génocide arménien, et les négationnistes du génocide arménien peuvent être ceux de la Shoah, parce qu'il y a, comme il y a une solidarité des victimes, il y a aussi parfois une solidarité des bourreaux. Et donc c'est important de pouvoir mener ensemble ce combat, et que les assises contre les négationnistes ne sont pas uniquement des assises pour cultiver la mémoire ou l'éducation de la mémoire, mais ce sont également des assises pour préparer les combats de demain contre le négationnisme, et pour que de nouveaux génocides ne se perpètrent pas dans l'avenir. C'est bien ça l'idée. Et donc j'ai émis effectivement, partant du constat le génocide arménien était le seul aujourd'hui dont la négation n'est pas pénalisée, que ces assises lance un appel, est une contribution publique pour qu'en France, enfin, on puisse lever les obstacles pour que le génocide arménien, dont la négation du génocide arménien, puisse être enfin pénalisé par la loi. On parle de quoi ? On parle du fait que le Conseil constitutionnel a invalidé à deux reprises, en 2012 et en 2016, une proposition de loi, en 2012, la loi Boyer, pénalisant la négation du génocide arménien, et un projet de loi sous François Hollande en 2016, qui avait été adopté, pénalisant la négation du génocide des Arméniens. Eh bien, à deux reprises, on nous a objecté la question de la liberté d'expression, puis celle qu'il n'y avait pas eu de tribunal international pour juger le génocide arménien. Il n'y avait pas de tribunal international en 1915, ça n'existait pas.
En revanche, on a eu un tribunal turc, une parenthèse, un pouvoir en Turquie qui a jugé les auteurs des massacres des Arméniens, puisque le mot génocide n'existait pas encore. Eh bien, il faut lever ces deux obstacles. Et je crois que nous pouvons le faire si les assises, qui sont un lieu intellectuel extrêmement puissant, extrêmement référent, extrêmement porteur, pouvaient émettre un texte justement dans cette direction, et notamment destiné au président de la République Emmanuel Macron, qui s'est engagé donc à remettre sur la table cette question de la pénalisation de la négation du génocide arménien. Alors je laisse Frédéric Ancel. Comme d'abord merci beaucoup pour ta contribution d'hier qui a été authentiquement très très constructive et notamment sur cette proposition. Je dois reconnaître qu'on n'y avait pas, peut-être par humilité jusqu'à présent, on n'avait pas pensé que on pouvait disposer une petite pierre supplémentaire dans l'édifice de la cause commune en s'adressant directement aux autorités suprêmes de l'État. C'est d'autant moins bête qu'effectivement hier ça a été un authentique succès, et la présence d'un ministre régalien, d'un ministre d'ailleurs entre parenthèses, je le dis et je le répète, très républicain et très incisif et très combatif sur toutes ces questions-là, qui est resté plus d'une heure avec nous après un discours de plus d'une demi-heure, donc ça démontre qu'effectivement il y a une force de frappe. Donc la réponse est oui, cher Mourad, effectivement on va faire quelque chose. Sous quelle forme, je ne sais pas encore, parce que après tout la PSB n'a pas une vocation particulière à travailler, enfin en tout cas à impliquer les autorités sur des questions qui ne concernent pas particulièrement une école de management. En même temps, j'ai d'autres casquettes, comme vous le savez, et donc je pense qu'il va falloir faire dans les prochaines semaines quelque chose qui relève exactement de ce que tu as proposé. Sous quelle forme, je ne sais pas encore. Avec quelle casquette, lequel de nos logos, de nos compétences, je ne sais pas encore. Mais comme j'ai dit publiquement hier, juste après ton départ, en début d'après-midi, fin de matinée, début d'après-midi, la proposition est retenue. C'est formidable, en tout cas. Ça montre bien, effectivement, qu'il y a une solidarité également pour l'avenir et non pas uniquement par rapport au passé. Et c'est là où nous anticiperons ensemble, en fait, l'exécution de nouveaux crimes contre l'humanité, de nouveaux génocides, si effectivement les structures sont puissantes comme celles qui se constituent, puissent avoir une voix porteuse sur justement la question des massacres et des génocides. C'est juste, la lutte est commune. Exact. Alors, Mourad Papazian, on va continuer avec vous. On va laisser Frédéric Ancel. Merci encore d'être venu. Merci à vous pour votre merci conférence. Frédéric, c'était très merci brillant. Merci encore à Mourad pour son intervention d'hier. Et je serai très très heureux, comme chaque année, de figurer. C'est dans quelques jours, ça, au jury du prix du livre des NAM, les Nouvelles d'Arménie. Voilà, ça me fait très plaisir de l'indiquer aujourd'hui. J'en suis, et ça me fait toujours très plaisir de participer à ces travaux qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent aussi à la lutte contre le négationnisme, comme vous pouvez bien évidemment l'imaginer. Merci à vous. Merci à vous, merci. Frédéric Ancel. Alors, Mourad Papazian, sur justement le combat contre le négationnisme et pour la mise en place de cette loi est un cheval de bataille du CCAF. Le président de la République, Emmanuel Macron, lors du dernier dîner du CCAF, avait esquissé en prenant une position de principe, comme quoi il fallait effectivement remettre le travail sur l'établi. Mais un an après, où en est-on ? Écoutez, il l'a non seulement exprimé au cours du dîner du CCAF, mais c'était également un argument de campagne. C'était un engagement de campagne au cours de la dernière présidentielle par Emmanuel Macron. Donc nous suivons ce dossier donc avec lui. Nous avons obtenu l'année dernière que l'État français inscrive à son calendrier officiel la journée du 24 avril comme étant journée nationale du génocide arménien. C'est un grand pas, c'est un grand progrès. Nous travaillons en ce moment avec l'Élysée sur notamment sur la question des chartes.
Nous avons demandé au gouvernement d'arrêter de déférer au tribunal administratif les maires qui signent des chartes d'amitié avec des maires de l'Artsakh, parce que c'est pour nous inacceptable, insupportable. On en a assez parlé au cours du dernier dîner du CCF, mais également de l'avant-dernier. Et au cours de cette année, le comité de défense de la cause arménienne a organisé un certain nombre d'initiatives, de meetings, de débats, d'interventions sur cette question. Et nous, en tant que CCAF, nous sommes également une caisse de résonance de l'action également des organisations arméniennes de France. Et nous portons au plus haut sommet de l'État, donc auprès de l'Élysée, ces questions-là. Donc nous avons effectivement cette question de l'Artsakh dont les autorités françaises savent qu'elles sont extrêmement fortes et sensibles au sein de la communauté des Français d'origine arménienne. Nous l'avons redit à l'Élysée, le président de la République sera présent au prochain dîner du CCAF le mercredi 29 janvier. Nous travaillons avec l'Élysée sur la préparation de son intervention et des engagements qu'il formulera ce jour-là. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais nous sommes extrêmement... Oui, nous aurons une émission avec vous et l'autre coprésident Arat Oranian dans une quinzaine de jours maintenant pour parler un peu plus sur ce dîner du CCAF. Absolument, effectivement, parce que c'est toujours un moment très important, un moment politique très important pour la communauté arménienne. C'est un dîner, comme vous le savez, qui est toujours présidé par le président de la République avec des ministres, avec de nombreux députés, des parlementaires européens, des intellectuels, un parterre en fait qui représente l'opinion en France et qui est assez exceptionnel, totalement comparable au parterre présent au dîner du CRIF auquel nous participons également. Et donc c'est toujours un moment de combat en vérité ce dîner du CCAF et qui nous permet d'exprimer nos messages et nos revendications devant un public de leaders d'opinion et c'est important pour nous. D'ailleurs, l'un des invités de ce dîner sera l'historien Taner Akçam, qui vient de publier un livre sur la preuve, en tous les cas, les télégrammes de Talat et comment Talat a ordonné le génocide des Arméniens. Et vous allez lui rendre hommage. Et c'est un livre important également dans le cadre de la connaissance et de la lutte contre le négationnisme. Oui, bien sûr, nous avons voulu mettre Taner Akçam à l'honneur au cours de ce dîner du CCF parce qu'effectivement, il y a la traduction française de son livre qui paraîtra, qui est paru là, qui commence à paraître. Et c'était important pour nous, comme nous le faisons à chaque fois, c'est-à-dire de pouvoir mettre à l'honneur des intellectuels turcs, des écrivains turcs, des personnalités turques qui travaillent aussi à la reconnaissance du génocide arménien. Et à chaque fois, d'ailleurs, c'est unanimement salué par nos partenaires et par nos interlocuteurs. Taner Akçam est un ami, c'est une personnalité extrêmement importante pour la vérité. Et il méritait d'être aujourd'hui aux côtés du CCAF, en présence du président de la République, pour la présentation de ce livre, qui est un argument de plus, donc pour en faveur de la reconnaissance du génocide arménien. Il avait consacré un de ses précédents livres au négationnisme, la Turquie comme une fabrique du négationnisme, et donc c'est important qu'il soit à nos côtés ce jour-là. Alors, Moulot Papazian, une dernière question avant de vous laisser. Vous avez entendu peut-être tout à l'heure le professeur Elbron, en tous les cas, vous l'avez entendu hier matin lors des assises. Est-ce que vous pensez que, comme lui, qu'avec ce qui est fait dans l'éducation nationale, avec l'inscription du génocide des Arméniens dans les manuels scolaires, avec la journée nationale de commémoration, avec tout un certain nombre de travaux d'universitaires, la publication d'un livre, est-ce que tout ça, finalement, concourt à faire reculer le négationnisme du génocide des Arméniens, y compris, en tous les cas, dans la société française? Bien sûr, mais ça n'est pas suffisant. Hier, en fait, le professeur a fait voter la salle. Il a dit, est-ce que qui considère que on a gagné le combat contre le négationnisme et qui considère qu'on a perdu le combat contre le négationnisme? À ces deux questions, moi, j'ai levé la main à la question
qu'on avait perdu le combat contre le négationnisme. Mais en fait, c'était assez impropre, puisque au cours de mon intervention, j'ai pu préciser que j'avais levé la main quand il avait dit est-ce que vous pensez qu'on a perdu le combat contre le négationnisme. Je voulais dire qu'on n'avait pas encore gagné en réalité. On n'a pas encore gagné, donc il n'est pas totalement perdu, mais on n'a pas encore gagné. Et nous avons l'intention de le gagner. Et c'est là où j'ai donné l'exemple de la question de la pénalisation de la négation du génocide arménien. Quand en France, je parle de la France, dans ce pays, en 2012 et en 2016, deux fois le Conseil constitutionnel invalide une proposition et un projet de loi adoptant la négation de la pénalisation de la négation du génocide arménien, ce n'est pas possible. Il y a un problème, et donc il fallait que ce problème soit levé. Et donc effectivement, il était d'accord avec moi, bien sûr. Donc je pense que bien sûr que ça concourt, bien sûr qu'on a progressé, bien sûr que l'opinion publique aujourd'hui considère que le génocide arménien, que les massacres de 1915 sont un génocide. Bien sûr qu'on a gagné la bataille de l'opinion. Bien sûr qu'on a gagné la bataille politique également. À chaque fois, on le va bien. Et à droite et à gauche, toutes les forces politiques, les représentations politiques sont avec nous en France dans notre combat. Mais il est insupportable de constater que on ne peut pas franchir le pas supplémentaire d'interdire la négation du génocide arménien, comme la négation de la Shoah a été interdite, et c'est parfait, par la loi Guesso en 1990. Il faut contourner les jurisprudences, les deux jurisprudences du Conseil constitutionnel, pour trouver un moyen de pénaliser la négation du génocide arménien. C'est important non pas pour l'histoire, c'est important pour l'avenir, c'est important pour nos enfants, pour qu'enfin on puisse être en paix dans le monde et en France en particulier, et que plus jamais ne puisse être nier la réalité du génocide arménien, parce que nier la réalité du génocide arménien publiquement sans que cela puisse être réprimé, c'est accomplir le génocide une seconde fois. Mourad Papazian, merci pour votre intervention, et puis donc nous reviendrons sur le dîner du CCF dans une de nos prochaines émissions. Merci beaucoup, merci à vous, IPFM. Alors, pour conclure, je tiens à remercier encore une fois Frédéric Ancel, professeur de sciences politiques et enseignant à la Paris School of Business et à Sciences Po Paris, d'avoir été présent pour nous parler de ces 10e assises de lutte contre le négationnisme qui s'intitulait « La négation dans tous ses états ». On l'a compris, les grands sujets qui sont intervenus sont la maîtrise de la lutte contre le négationnisme à travers l'éducation d'une part, mais aussi sur le plan juridique où il y a encore des failles, et notamment concernant le génocide des Arméniens, et puis également la lutte contre le négationnisme sur les réseaux sociaux. Et je voulais remercier ici le professeur François Heilbronn, vice-président du Mémorial de la Shoah, Dominique Sopo, président du SOS Racisme, et puis Mourad Papazian, co-président du CCF, qui sont intervenus sur cette antenne pour nous faire un point de cette lutte contre le négationnisme qui touche et qui intéresse tous les Arméniens et au-delà, tous ceux qui sont épris de lutter contre la haine sur toutes ses formes, que ce soit dans les livres, par les historiens et y compris sur les réseaux sociaux. Merci à vous d'avoir écouté IPFM et à une prochaine émission. Sur table. Une émission proposée par Hype FM.